À Bobo Dioulasso, une partie du sermon de la grande prière marquant la fin du Ramadan a même été consacrée à la pandémie du coronavirus. Là aussi, on a dû faire avec les restrictions liées à la maladie. De Bobo Dioulasso, le reportage de Maneka Ien et Ali Traoré. Ramadan 2020, les fidèles sacrifient encore au rituel de la prière matinale, mais avec quelques réajustements. Port du cache-nez, tapis individuel, même si ces mesures ne sont pas suivies par tous. Chaque musulman est tenu de prendre des dispositions pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Nous avons essayé de tout faire, c'est qu'on nous puissions respecter les mesures. Mais vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors comme dans la religion musulmane, et il est bel et bien dit, quand vous priez, il faut être toujours serré. Donc la distance d'un mètre, ça n'a pas été respecté chez nous ici. Nous allons prier pour l'ensemble des Burkinabés, pour que Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous éloigne de cette pandémie et que les cris qui se manifestent au Burkina Faso puissent aller vers une disparition totale de la maladie. Après ces deux rakats, l'imam dans son sermon est revenu également sur le respect de ces mesures barrières. Il a aussi appelé à l'union des fils et des filles du Burkina. Dieu nous aide à vaincre cette maladie. Vous savez, les médecins occupent une place très importante en islam. Donc, lorsqu'ils nous invitent à respecter des consignes, soyons respectueux pour ne pas se contaminer. C'est à ce titre que nous pourrons vaincre cette maladie, foi de Adama Sanou, qui a également invité à fêter à domicile.